Non, non, mais allô. Docteur Lémy. On va nous lire Genèse 8, verset 11. Genèse 8, verset 11. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Amen. On acclame le Seigneur. J'ai dit, on peut bien acclamer le roi de l'homme. Yo pensi na pema na futi e doko te yo laki singa ibolingo na yo mwana na nzambe yo nzambe ku mama yo laki singa lingo na yo kosi na yuta yo nzambe ku mama attends. Comme à contre-temps. Je célébrerai jamais ton nom. Dans les pirogues, dans les trains, comme dans les bateaux et dans les avions, je célébrerai jamais ton nom. Adieu, sois la gloire. Il est roi à jamais, il est roi.
à jamais. Il est roi, à jamais. Il est Dieu, à jamais. Il est père, à jamais. Il est papa, à jamais. Il est tout, à jamais. À jamais, jamais. Monte manakai, bobo. Monte manakai, c'est béni. Aïe, aïe, aïe. Chose qui peut nous aider. Notre thème s'intitule Entre les becs de la colombe. Merci beaucoup. Nous pouvons clamer très fort.
Tokoki kobeta maboko makasi. Demande un peu à ton voisin. Toi, tu parles beaucoup de Dieu. Donc, même s'il est, il est fâché, dis-lui seulement à l'oreille que toi, là, tu parles beaucoup de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? Acclamons très fort le roi. Nous parlons d'une histoire très connue. Il s'agit du déluge. Pendant le déluge, il y a une pluie de 40 jours. Et qu'est-ce qui a été à la base de tout ça? C'était le comportement des gens sur la terre. Et les gens vivaient tellement mal. Bato bazalaki kopika penza mabe koleka. Et même quand vous entendez les gens dire qu'ils parlent de patriarche dans la Bible, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas l'évangile. J'ai un grand respect pour les patriarches. Je pense que nous, nous sommes plus heureux que les patriarches. Amen. Les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce que entre les becs de la colombe, il n'y a rien. Imaginez-vous que les Abraham n'ont pas vu Jésus. Ils n'ont pas entendu les prédications de Jésus. C'est-à-dire que moi et vous, tout en respectant notre père Abraham, sommes plus heureux. Siméon, un grand dans les affaires de Dieu. Les jours où il vit Jésus, il dit que j'ai contemplé ta gloire. Maintenant, je ne peux pas. Donc, Siméon savait que tous ces gens-là, les Zacharie, les Malachi, c'était des embrouillères. Alors, ma sœur, mon frère, nous allons cherchez à vous dire qu'est-ce que vous devez avoir dans votre bouche. Mais ne considérez pas ça seulement par rapport à votre propre bouche. La bouche a une langue. Elle a des dents. Mais Dieu dit que parmi les organes de la bouche, il y a un organe qui est tout un monde. Je ne sais pas si le message passe. Alors, pour les enfants de l'image de l'Éternel, ils comprennent déjà de quoi nous voulons parler. Donc, d'après Dieu, la langue, c'est le monde. C'est pourquoi la colombe disait que après le déluge, moi je ne peux pas me présenter chez Noé rien qu'avec la langue. Au-delà de la langue, je dois ajouter une feuille d'un olivier. C'était lorsque vous lisez les Écritures. Il y a les gens comme Ézéchiel. Les sièges de la matière se trouvent dans Ézéchiel 3, verset 3. Ces gens-là, lorsqu'ils rencontrèrent le Seigneur, avant de les servir, Dieu regardait, il voyait que la bouche d'Ézéchiel était vide. Il dit que mon fils, mange d'abord cette feuille. Amen. Si j'étais à votre place, j'allais dire amen. Donc,
Il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant de Dieu. Est-ce que tu as la feuille d'olive dans ta bouche pour parler de Dieu? Ça ne s'est pas arrêté avec Ézéchiel. Même Jean qui est venu après, Apocalypse 10:10, l'ange lui dit, prends ce petit livre. Donc c'est un problème de la feuille. C'est pourquoi Josué dit que c'est livre de la loi. En principe, il voulait dire que c'est feuille. Mon Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre bouche. Parce que vous voulez parler avec Noé. Noé, c'était le prédicateur de la justice. En quelque sorte, il représentait Jésus. Mais quand il doit faire rapport à Jésus, c'est sur base de quoi? C'est pourquoi des gens qui n'ont pas la feuille d'olive dans leur bouche, ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, les pasteurs congolais prennent de l'alcool. Ils disent que c'est dans la Bible. Ça dépend de la Bible que tu as. La colombe n'avait pas ramené n'importe quelle feuille. Elle avait pris la feuille d'olive. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent qu'à côté du chandelier, il y avait des parts en des oliviers. Mon Dieu, tu parles de quelle Bible? Lorsqu'on parle des catégories des serviteurs de Dieu, Paul dit ceci. Paul y a le Bible. Il y en a qui servent Dieu de bon cœur. Mais il y en a qui servent Dieu à cause du ventre. Mais toutes ces personnes-là, ce sont des serviteurs de Dieu, mais avec des motifs différents. C'est ainsi qu'à l'époque, apôtre, Judas était apôtre parce qu'il gardait l'argent. Les jours où Jésus a refusé que l'argent du parfait entre dans la corbeille, Judas vendit Jésus. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? Celui qui te parle, qu'est-ce qu'il a dans la bouche? C'est vrai. C'est vraiment une colombe. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les becs de cette colombe-là? Y a-t-il seulement la langue? Ou bien il y a la feuille? Les colombes qui n'ont que la langue, ils enseignent la mondanité dans l'église. C'est ainsi qu'aujourd'hui, des gens disent que Jésus était un ivrogne. Ça, c'est insulter Jésus. Je sais que même là où il est, il n'est pas content. Mes amis, je ne dis pas que je dépasse les autres. Mais on ne devient pas enseignant de la Bible tant on ne l'a pas étudié. Vous ne pouvez pas enseigner la Bible tant vous êtes un prédicateur d'une petite culture. Je ne dis pas que moi je dépasse les autres. J'explique. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire qu'un prédicateur maîtrise les notions de la nature avant de maîtriser les notions surnaturelles. C'est ça le problème dans ce pays. Et Français, mais au lobby mabé, tu peux moi j'ai ma Bible dans la langue de ce qui français lequel ngai Bible nangaya biso bana bateke. Si le français me passe bande konango bakola nanga na luku na lobi na binombore bien
Amen. Il faut lire la Bible écrite dans la langue que tu maîtrises. Tu auras moins de problèmes. C'est pourquoi on prêche des choses à tort et à travers. Il y a des livres qui parlent de la vie des Juifs en dehors de la Bible. Il y a des livres qui parlent de l'accoutrement des Juifs, qui parlent du régime alimentaire. Si tu ne connais pas ça, tu vas très mal lire la Bible. Amen. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi la Bible ne parle que du vin et ne parle pas de la bière. C'est parce que Jésus a grandi dans un pays où les conditions pédologiques étaient favorable aux vignes. C'est comme ça. Donc, c'était parmi les plantes habituelles. Si vous allez dans le Bas-Congo, les gens sont habitués à prendre la chikwang. Parce que dans la terre du Bas-Congo, les maniocs poussent facilement. Lorsque vous êtes au Katanga et au Kasai, comme ce sont tous les enfants de Ilungambidi, ils mangent les foufous. Parce que il y a Kanyama Kasese qui est fertile en matière de maïs. J'ouvre une parenthèse. Comme on ne connaît pas ces choses dans notre pays, c'est pourquoi on crée des plantations partout. Qu'on ne vous trompe pas. Ceux qui bloquent la prospérité des fermes sur les plateaux de Bateke, ce ne sont pas mes ancêtres Bateke. La terre du plateau est restée pendant plus de 50 ans sans être tournée. Elle recèle la chaleur. Lorsque vous y semez les semences qui aiment beaucoup d'eau, comme le maïs, faute de suffisamment d'humidité, la chaleur là tue la semence. Ce n'est pas de la sorcellerie. Amen. Je regrette beaucoup que les millions de mon pays soient investis à Bukangalonzo. C'est de l'ignorance. La terre de Bukangalonzo est dans la même région que le plateau de Bateke. Elle a les mêmes difficultés. Si on avait amené le Bukangalonzo au Maniema, à Yangambi dans la province orientale, à Ngandajika dans le Kasai, on allait en tirer profit. Alors, quand ils se réveillent, ils disent que Bandogi y a Bateke, Balinite, Makamoke, Nibos. Non. Mdambou du Mono, Dambou du Fan. Vous pensez quand même, amen. Amen. Alors, je reviens. Je vous ai dit que ce sont d'abord les conditions pédologiques qui détermine les régimes alimentaires des États. Même les accoutrements. Il ne faut pas débiter des sornettes. Que la femme ne doit pas porter le pantalon. Qui t'a dit ça? Deutéronome 25. Ce chapitre là ne s'arrête pas seulement au 5e verset. Il continue. On dit aussi que l'homme ne doit pas porter un tissu tissé de plusieurs fils. Comme nous là, nous portons 60% polyester, 40% coton. À l'époque de Moïse, c'était interdit. Pourquoi toi, le pasteur, tu portes ça? Tu interdis à la femme là. On t'a dit que Jésus portait le pantalon. Il y a un problème avec les prédicateurs. Répétez après moi, feuille. Feuille. Ce sont les conditions climatiques qui déterminent l'accoutrement des peuples. En Orient, les gens sont toujours en robe parce qu'il fait très chaud pour permettre à l'air d'entrer et de sortir. Donc
Dieu n'est pas dans. Dieu n'a jamais porté les pantalons. D'ailleurs, dans la Bible, on présente Dieu et Jésus, son fils, comme étant habillé en robe. On n'interdisait pas qu'aux hommes de porter les tissus, de plusieurs filles. On disait même qu'un enfant de Dieu ne pouvait pas avoir dans son jardin plusieurs types de semences. C'est-à-dire que quand il a commencé avec les amaranthes, n'amêlez jamais les feuilles de pondou là-bas. Mais c'est pas celles qui disent que les femmes ne doivent pas porter les pantalons dans leur jardin. Vous trouvez les fleurs roses, vous trouvez d'autres plusieurs types de fleurs. Mais, mon Dieu, où est-ce que nous allons? Ce que Dieu demande aux mamans, c'est la décence. Je suis contre les pantalons collants. Je suis contre les pantalons moulants. De la même manière, je suis contre ces mamans qui ne sont qu'un seul pagne. Sans adjoint, porte un seul pagne, sans adjoint, sans secrétariat, d'une manière telle que de l'extérieur, tu peux voir la configuration des chaises et des tables. Amen. Que tu sois en pagne, que tu sois en pantalon, soit descend. Répétons ensemble, feuille. Seigneur Jésus. Bon, on a matché à Bolo, parce qu'on a passé. On va dans la Kimia. On va répondre à Pétain, on va faire un amadou dans la lobby. Je m'en fous. C'est ainsi qu'en Israël, la consommation du vin était l'affaire de tout le monde. Mais comment les Juifs prenaient le vin? Tranquilles, ne peuvent pas comprendre ça. Cherchez les Juifs. Si les livres vous donnent le mot de tête, cherchez là où se trouve le consulat ou l'ambassade d'Israël. Allez poser des questions. Si vous avez le temps, je vais vous donner des livres. Comment les Juifs prenaient leur vin? Quand il n'était pas fermenté, on le prenait tel quel. Interrogez les chimistes. Un vin non fermenté n'est pas alcoolisé. Le vin devient alcoolisé après fermentation. C'est ainsi que pour ceux qui ont la culture de vrai vin, pas ces gens qui prennent les moutons cadets, pas ces gens qui prennent les muscadors et s'en félicitent. Dans le monde des vins, les grands frères de vin s'appellent moutons de Rothschild. Ces gens, ils prennent les choses à mi-parcours, ils en deviennent professionnels. Non, monsieur. Non. Donc, vous pouvez aller dans des facultés de sciences. Ne cherchez pas les diplômés en chimie. Cherchez les chimistes. Ils vous diront que Godet a raison. Ne suivez pas cette racaille. Le vin, lorsqu'il a été fabriqué le même jour, il n'a pas encore subi la fermentation. C'est un simple jus de raisin. Il y aura toujours un autre bourg qui va dire, mais pourquoi les jus de raisin ici qu'on vend ici ne se fermentent pas? Non, on met un produit chimique qui empêche le continuum de la fermentation. Alors en Israël, c'était tout à fait normal que Jésus puisse partir chez Mamouzama. Moi, Moussama, c'était l'ami à la maman de Jésus. Azala qui moninga maman na Yesu. Qui faisait le vin? Jésus faisait maman. Azala koya. Yaleloya. Yasika. Jésus pouvait prendre. Yesu akokai komme. Ce n'était pas interdit. Yangwe bekisama kite. Quand le vin commençait à se fermenter, en Israël, avant de le prendre, Yangwa komelango, par les gens bien élevés, na bato babokola mina, il le cassait avec de l'eau. Bazala ki kobakisama, ipona kolebisango. Consultez votre bibliothèque. Amen.
Donc c'est ainsi que les gens sont faits. Les gens qui n'ont jamais mangé le livre. Ils disent là, bon monité, Jésus est moko. Est-ce que y a eu Jésus? Toi tu connais Jésus. Na kindumbo salaka, est-ce que y a eu Jésus? Avec ton impudicité, est-ce que tu connais Jésus? Pasteur Boula. Moussala noko finaka bana batu na tol, est-ce que toi tu connais Jésus? Et d'ailleurs, quand nous prêchons là, lui il est ivre. Tous les enfants consacrés à Dieu, on interdisait leurs parents de prendre de l'alcool dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Lisez Juges 13. Vous allez voir comment Samson était né. Quelles sont les conditions? Allez dans Luc 1:15. Avant la naissance de Jean-Baptiste, l'homme qui devait préparer la route pour le Seigneur, on avait dit à sa mère qu'elle ne peut prendre du vin. Le pasteur, c'est celui qui prépare la venue de Jésus dans la vie des fidèles. En quelque sorte, le pasteur, il est le Jean-Baptiste. Il ne doit pas prendre du vin. Maintenant, j'entre dans les Écritures. Fils, viens, lis-moi Osée 4, verset 11. Parce que maintenant, dans tous les bureaux de pasteur, il y a du vin. Après avoir pris du vin, il presse les seins de protocole. Amen. Osée 4, le verset 11. La prostitution, les vins et les mous font perdre les sens. Acclamons très fort pour le roi des rois. Répétez après moi, insensé. Quelqu'un qui prend du vin, c'est un insensé. C'est pourquoi son nom, c'est Atukano Yomulembelele. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai suivi ça dans le groupe de théâtre Salongo. Donc, la prostitution, pité, les vins, vigno, et les mous font perdre l'essence. C'est pourquoi Paul dit ceci. Galate, insensé, qui vous a détourné de la voie, ce pasteur ivrogne. Fils, viens. Tatukana, Iwamulembelela. Pasteur Bitangasoy, Zololo. Bana, na langue. Proverbe 31. 4 à 6. Donc il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. Il s'embrouille et embrouille ceux qui le suivent. C'est comme on attend des sornettes, des jarres. Tu n'as pas été à l'école. Tu n'as pas appris les cours sur l'évaporation. Le soleil, quand il est vraiment azimut, il provoque l'évaporation dans les îles, dans les mers, dans les rivières. Évaporation, ces vapeurs là vont là-bas au-dessus comme des nuages. Donc c'est le mécanisme de Dieu. La comptabilité est partie double. Donc ce sont les mêmes eaux là. Il recycle ça. Quand il voit que c'est devenu en grande quantité, ça peut tuer les enfants. L'évaporation se crée. Il garde ça comme les nuages. Quand il voit que les enfants en ont besoin pour leur agriculture, il dit nuage descendait. Amen. Comme
Lis mon frère, Proverbe 31, 4 à 6. Ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Nous, nous sommes les princes. Ce n'est pas au roi le miel. Ce n'est pas au prince de rechercher les liqueurs fortes. Mais quitte. Il mélange le vin. Continue. Le père qu'en buvant, il oublie la loi. Des pères en buvant qui oublient la loi. C'est pourquoi sous l'ivresse, ils disent aux gens que tu peux épouser 20 femmes sous l'ivresse. Ils pressent les sept filles. Les vins font oublier la loi. Les vins font oublier le temps de prière. Et comme ça, obosa na ntango na mabonde li. Je parlais avec un ami pasteur. Il dit que non. Moi je prends du vin quand je mange. Mais il ne connaît même pas quel est le vin qui accompagne la viande et le vin qui accompagne le poisson. Il ne connaît pas. J'ai dit tissu que ça vous dérange. Bon, personne n'amène mon bien. Amen. Donc des pères. Quand un pasteur prend du vin, il va oublier l'heure de l'intercession. Il va oublier la Bible. C'est pourquoi l'Église est remplie de impudiques. Dans leur salon, ils disent. Mais il est seulement dans l'Ancien Testament, mais il entre dans le Nouveau Testament. Il y a un Nouveau Testament. Tout ce que je suis en train d'expliquer, tu n'écoutes rien. On va revenir avec un enseignement très élaboré. Donc, nous l'avons déjà fait. Mais comme ils ne comprennent pas, solité, nous allons revenir là-dessus. Vous êtes membre de cette église. Église. Ne vous enivrez pas. Lis-moi Romains 14, 21. On va continuer. Romains 14, 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère. De ne pas boire quoi? De vin. Et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Acclamons très fort pour le roi. Le vin amène des scandales. Qu'on ne vous trompe pas. Nous avons pris du champagne pendant qu'on était élève. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu sait que j'ai dit la vérité. Mes frères savent que j'ai dit la vérité. Nous, on a pris du champagne pendant qu'on était élève. Tu ne sauras pas quand est-ce que les vertiges vont commencer. Directement, vous allez sentir seulement le kizunguzungu na bandaga. C'est pourquoi, lorsqu'on dit que ne vous enivrez pas du vin, ça ne veut pas dire que ne manifestez pas des signes de l'ivresse. Le fait seulement que l'alcool trouble votre état mental, c'est de la débauche. Les vrais enfants de Dieu s'en abstient parce qu'il est écrit que tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Mes amis, tel que vous êtes là, vous pouvez accepter que je vienne avec la bière telle que je prêche là. Je suis en train de boire. Et pourquoi vous le faites chez vous? Le corps, c'est le temple. Je quitte la Bible. Je rentre dans la science. Aujourd'hui, les médecins, je parle de médecins, je ne parle pas de docteur en médecine. Je ne parle pas de docteur en malaria. Je parle de médecins. Ils ont mené des études. Une boisson alcoolique, prise même en petite quantité, provoque les maladies de cœur. Si vous n'avez pas le temps de lire les gros livres, allez sur Google.
ta paix, yopeta, les dangers de l'alcool. Mabe, donc l'alcool, masanga, masanga, ce n'est plus seulement l'ivresse qui dérange. Même la petite quantité détruit le corps. C'est établi par l'OMS. N'allez pas consulter les médecins de Kosubaki. Ils vont t'embrouiller. Ce que j'ai dit ici, si tu poses la question à Patrick de Vliegeur à l'Université catholique de Louvain, il va te dire que Godet dit la vérité. Louvain, Kolobete, Godet, Lobi, Solo. Oh, la Bible dit, celui qui détruira ce corps, que le détruira, Tatukano Yarete, Tatukano Itika. Je rentre. Tout ça, c'est l'absence de la fête. La langue, c'est un monde d'iniquité. Le prédicateur qui n'a que la langue dans sa bouche, c'est l'iniquité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y avait deux types d'oiseaux dans l'arche. Il y avait le corbeau. Il y avait la colombe. Mais remarquez, frère, que dans l'arche, il y avait même des oiseaux impurs. Cela ne veut pas dire qu'on ira au ciel avec le péché. L'arche de l'Éternel est semblable à l'église visible, à l'église locale. Dans cette église-là, on trouve tout le monde. Mais l'effort pour être utile au chef de l'église, c'est de rapporter la feuille de livre dans la bouche. 40 jours après. 40 jours après, Noé voulait retourner sur la terre. Ce n'était pas n'importe quelle terre. C'était une terre renouvelée. Mais comme dans l'arche, il y avait plusieurs types d'oiseaux. Le corbeau et la colombe. La colombe vit généralement effacée. Elle ne fait pas trop de bruit. Mais le corbeau, il est toujours là, en train de faire des bruits. Comme le corbeau parlait beaucoup, Noé avait compris que Noé et que le corbeau étaient forts. Le corbeau n'était pas fort. Il était seulement courageux. Il y a des gens qui n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais avec le courage, ils sont tentés d'arnaquer les gens. Ils ont même construit les églises. Là n'est pas le problème. Nous devons d'abord voir comment l'oiseau se présente. Le corbeau, il est généralement tout noir. Alléluia. Amen. Je sais. Maybe. Ce qu'on fait la zoologie, il risque de me dire, mais exceptionnellement, il y a des corbeaux blancs. J'en sais peut-être plus que toi. Généralement, le corbeau, il est noir. Mais pour cacher sa noirceur, il exalte son corps blanc. C'est ainsi que quand les gens viennent à l'église, venez vous allez voir, venez vous marier, c'est le col blanc. Mais ce monsieur, il est noir. Pour attirer les gens, je vous dis, dans ce monde, il n'y a aucun pasteur qui guérit. C'est Dieu lui-même. Moi, votre pasteur, il m'est arrivé plusieurs fois de faire des grands miracles. Je suis calme. Quand nous étions sur Loulou, une femme est venue me voir. Son mari venait de mourir du sida. J'ai prié. Parti. Le résultat était négatif. Elle voulait demander devant l'église. Je lui ai dit que la gloire rentre chez Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que non, il dit ça parce que soit avec ceux qui nous connaissent, ils savent ce qui se passe quand Dieu veut agir. Moi, je ne peux pas te promettre la liberté. La parole de Dieu dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand la parole est en toi, tu deviens toi-même l'usine de miracles. Corbeau, trop de bruit dans l'arche. Venez voir. Un pasteur nous a invités dans une campagne.
On arrive là, il avait dit aux gens que vous allez voir ce qui va se passer aujourd'hui. Tellement qu'il avait parlé. Répétez après moi, corbeau. Corbeau. Tellement qu'il avait parlé. Une famille peut partir prendre un corps à la morgue. Je vous dis l'histoire. Il a parlé. Il a parlé. Ces gens-là, ils avaient toujours les corps. Quand on termine la campagne, ils sont rentrés avec leur corps à la morgue. Ce n'est pas toi qui guéris. Ce n'est pas toi qui délivre. Paul dit que nous sommes à l'œuvre avec Dieu. Et même nous, quand Dieu se manifeste, nous ne devons pas attribuer cette gloire à notre pasteur. La gloire doit être rendue à l'éternel, le Dieu de notre pasteur. Qui est le pasteur pour délivrer? Qui est le pasteur pour guérir? Il y a un seul dont il est dit dans la Bible que par ses meurtres ici, nous sommes guéris de toutes nos maladies. C'est celui-là qu'il faut exalter à cause des bruits que le corbeau faisait dans l'arche. Noé sans discernement. Noah. Il dit, toi tu peux partir. On a va nous ramener les informations. D'ailleurs, j'avais oublié de vous donner un exemple de mes faits. Noé, sa géographie et son histoire. Et à cause de quoi? Du vin. Sont des choses qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Quand le corbeau arrive, déjà vous devez savoir qu'en zoologie, le corbeau mange tout ce qui se présente devant lui. Vous pouvez vérifier ça, c'est scientifique. C'est scientifique. Donc ces oiseaux-là, qu'on cite dans la Bible, ce sont des enseignements. Donc, il mange tout. Azali koli anyonso. Même ce qui est pourri. Atao ezali akopola lia. Quand les corbeaux sortent. Tango yanganga bimaka. Il trouve des corps et des corps. Akuti banzoto. Sur les eaux. Ebele liko na mai. Il dit que Noé c'est qui? Alobino azali. C'est Noé là. Noango. C'est lui qui l'avait abrité dans son arche. Yende abomba ki na kati na masu. Il a commencé à manger le corps. Ya bandi koli abibe. Le corbeau n'est jamais rentré. Ya zonga tamo kolomo kote. Il y a des prédicateurs. Ezali na batei. Seulement le courage là. Ezali ka kampiko pa. Mais l'appel n'est pas là. Kasimbela ezali te. Nazo bondela, nazo mona maman Chantal na veni. Je suis en train de prier. Kasavu bwe bandi na vitu na kitabu. Maman Chantal, ba Chantal ba combien? Sur la vie Kasavu. Et vous trouvez des imbéciles. Voilà na yake zangaye. Les imbéciles qui viennent qui disent c'était moi. Et avec ce courage là, il lave les mamans. Nampi kwango ezali ko sokola. Pourquoi ko sokola ngai papa te? Kaka maman. C'est seulement les femmes que tu laves. Ma papa. Je suis votre pasteur. Papa, si ta femme va te faire laver par un pasteur, exclusion temporaire pour une durée indéterminée, en attendant que le Saint-Esprit nous explique comment les bains s'étaient passés. Vous répétez après Nzunzu à Corbeau. Nzunzu à Corbeau. Vous répétez sous Nzunzu à Corbeau. Nzunzu à Corbeau. Quel courage! Maman, mon corbeau, vous l'ongolez bilama. N'ayez pas, maman, vous n'avez pas communiqué. Et toi, maman, tu ne sais pas comment tu peux te laver. Donc, bah, tu peux se relayer. Ayez un endroit où l'on connaît la salle de Kamouté. Nous entendons la salle à Mimene. Elle n'a rien fait pendant qu'elle a fait des scandales. Ce qu'on s'allait à vous. Si tu es là, on t'a déjà lavé. Il faut que tu saches que tu as fait des grandes choses. Dans ce pays de Dieu, tes recherches. Ce pays, en Zambé, Zali, Koluka, yo. Je ne sais pas quand on te lavait. On te lavait comment? Elle rentre dans la maison, elle a fait des trucs mauvais. Répétez après moi, Feuille. Le corbeau. Yanganga. Mange depuis, il mange tout. Nous avons aujourd'hui les chrétiens Naba Christo, qui croient à tout ce qu'on dit. On dit il faut voler, il vole. Il faut prendre du chanvre, il prend. Il faut avorter, il avorte. Répétez les chrétiens corbeaux.
Les chrétiens corbeaux. Il faut bien répéter, mes amis. Les chrétiens corbeaux. Et les corbeaux aiment toujours des pourritures. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la parole authentique. La parole pressée. Par la colombe. Avec la feuille. Les gens viennent quand ils arrivent à l'église. Ils veulent que vos péchés soient purifiés. Les péchés qui sont purifiés. Même cette maman qui ne respecte pas la maman Bokilo. Si on t'avait purifié, je retourne les péchés au nom de Jésus. Petit frère Pierre. Je suis le petit frère de Pierre. On a laissé la clé à mon frère. Si eux, ils avaient ouvert, moi je refais. Si tu veux être délivré, il faut arranger avec la maman Bokilo. Il faut bien... vivre avec la maman Bokilo. Je m'étonne pourquoi. Toi, chaque fois, tu ne rêves que ta maman Bokilo. Tu peux pas rêver aussi ta maman. Il faut dire à tes rêves, le propriétaire on de sa maman très fort n'est plus dans tes rêves. Quand Noé attend, acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour Jésus. Quand Noé attend, il regarde Atali. Dans l'arche. Nakati, il y avait une petite colombe. Il ne parlait pas. Noé va dire que cette fois-ci, essayons avec côté. Les corbeaux représentaient quoi? Les corbeaux, ce sont les Jacob, les Moïse. Ils avaient mélangé les choses ensemble. Mais il y a un seul qui est venu avec la sélection. Il s'appelle Jésus, le maître de Galilée. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Acclamons fort pour le roi des rois. C'est ça la colombe. C'est ça la colombe. Quand les Abraham, Tango Babalama, les Jacob, Yaakov, sont arrivés, Tango Bango Bakomaki, la colombe n'était jamais descendue. Et c'est pour Denantina. Dieu n'avait pas permis qu'une colombe servit Élie. Et ça, c'est la Élie. Amen. Parce que si quand la colombe sert un homme, c'est que l'homme. Elle est chef de cet oiseau-là. Il dit que cette moto est la moto. Amen. Bien-aimé. Quand la colombe sort, elle arrive. Et comme, elle voit le corps en train de surnager. Et déjà en zoologie. La zoologie. La colombe ne mange pas tout. Et Bengali a canyon sauté. Elle ne mange pas tout. Ali a canyon sauté. Elle sélectionne la nourriture. La colombe regarde. Elle sent de la pianter. Comme elle-même est blanche. Elle est contre la saleté. Vous m'entendez vraiment bien? Vous expliquez-moi. Un homme qui craint Dieu ne fait pas de compromission avec le mal. Mais le corbeau, il mange tout. Est-ce que vous êtes sakana? Si j'étais à votre endroit, j'allais acclamer Dieu. La colombe et benga commence à voir et bandi. Qu'est-ce que moi Ngaï, je peux mettre dans ma bouche. Elle va voir un olivier. Elle va prendre kasa, la feuille de l'olive. Elle va mettre dans sa bouche. Quand elle rentre, Noé regarde. Il dit que ce monsieur, cet oiseau, m'amène une bonne nouvelle. C'est que le déluge a pris fin. La colombe qu'on appelle Jésus nous a apporté une bonne nouvelle pour nous dire que le déluge de maladie, que le déluge de pauvreté, que le déluge de
Tous les déluges de malheur ont pris fin. Maintenant là, tu vas commencer une nouvelle vie. Il disait à Noé que Noé finit tes limitations. Tu ne vivras plus cabré dans ton âge. Tu pourras faire le tour du monde. Laisse-qu'à partir d'aujourd'hui que tes limites soient brisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regarde que dans ta vie, il y a des montants déterminés. Quand tu les atteins, tu ne dépasse jamais. Il y a des villes déterminées. Quand il les atteint, il ne dépasse jamais. Mais ce matin, dans notre église, il y a une colombe qui a été lâchée. La colombe du délice était lâchée par Noé. Mais la colombe du baptême de Jésus, elle était lâchée par Dieu. Du haut du ciel, cette colombe-là est venue avec une feuille dans la bouche, l'image de la croix de Jésus, cet arbre qui nous apporte le salut. C'est grâce à la croix de Jésus que nous met les malédictions, que les ordonnances, que les actes nous condamnés ont été détruits. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de la colombe, à la feuille de l'ébec, tout est malheur ont été détruits par Jésus. Tu iras de progrès en progrès, de gloire en gloire, de succès en succès, tout simplement parce que la colombe a amené la feuille. C'est ainsi qu'il est dit dans Psaume que l'Éternel est mon berger. Le conduit dans des verts partirages. Quand tu reçois Jésus, quand tu entends Jésus, tu ne vas plus rester dans le désert. Quand ils ont écouté Moïse, après avoir mis l'eau du rocher, le désert n'avait pas continué. Il y a un temps dans la vie d'un homme. Il y a un temps pour le désert. Mais il y a un temps pour la fraîcheur. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la feuille qui était dans le bec de la colombe produisent de longs feuillages, que vous puissiez vous abriter sous ce feuillage. Ce feuillage-là, c'est ça l'ombre du Très-Haut qui avait couvert Marie. Que le feuille ne s'arrête pas, que ton arbre produisent des fleurs, que tu aies de la chance dans la vie. C'est ça le fleur. Quand tu iras chercher le travail, quand tu iras chercher le mariage, quand tu iras chercher qu'on puisse t'accueillir à cause des fleurs, que ça ne s'arrête pas au niveau des fleurs, que les fleurs produisent des fruits. J'ai terminé ma prédication. Il me reste de dire une seule chose. C'est ça le message. La colombe avec la feuille d'olive dans la bouche, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est l'image des chrétiens authentiques. Que personne ne t'enlève la feuille. Garde la feuille jusqu'à l'arche, là où se trouve Noé. Garde la parole jusqu'à l'enlèvement de Jésus. Quand nous serons au ciel, il va voir qu'en toi, il n'y aura pas de signe de diable. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse le papa, ses serviteurs et ses servants, chantres et techniciens. Que Dieu bénisse le protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont enfants. Que Dieu bénisse les voisins. Que Dieu bénisse ceux qui passent devant notre église. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé et sur l'internet. Que Dieu bénisse notre pasteur. Babunga kikala
ya lopango ya tata o kozonga epai na ye o kokota na kati ya lopango